ce bug, voilà. Et off, voilà. Allez, c'est parti. Où est mon chat? Le PV de CDV à 30-43, c'est vrai? Ah bah, voilà, on a fait exactement CDV. C'était rigolo. Allez, on essaye de pas trop faire n'importe quoi. On arrête de... On meurt moins, ça serait cool. On arrête de mourir, c'est ça qui est important. On arrête de mourir, le reste on s'en fout. Si je faisais un playthrough sans mourir, je ferais tellement un bon temps. J'aurais 25 minutes direct, pam. Alors je suis mort là quoi. Quel mauvais niveau pour mourir. What a terrible night to have a curse. Ah putain. Palipapoum. Allez. Faut mettre le 106%, c'est trop facile. Non. Allez, boum! Ah, bravo, Pretty! Ah, plus Renault d'ailleurs, je t'ai fait partir, hein, désolé. Si tu n'es plus là, je te fais des bisous virtuels par la pensée. C'est la run, on déconne plus, c'est ça, la run. On fait des gold speed partout. La run qui défonce. Enfin, qui déchire. Qui est trop cool. La run où j'arrête de me planter. Ah, et ben voilà. Le premier décès. C'est le décès dans les pales de ventilateur. C'est un classique. Hein. C'est la blague de l'invention concurrente du hachis parmentier et du siège éjectable sur les hélicoptères. Hein, tout ça, voilà. Zéro, je pense, Anne, objectivement. Ah, quel con! Je me suis laissé entraîner. C'est pas un run très long, hein. Du coup c'est un run qui... Bon, c'est pas un run dont les morts sont très punitives non plus, mais... C'est un run qui est facile après moult essais de déslaisser, je pense. Faut pas oublier qu'on a fait assez peu de runs quand même, Super Meat Boy. Je sais pas ça, le Larry. Apparemment, Vorpal disait qu'il y avait quand même 15 secondes à gagner, presque, du coup, je sais pas exactement. Je m'y connais pas assez pour être honnête en Super Meat Boy. Mmh, 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 mmh.
Mais oui, je pense que oui, hein, à ce point-là. Bim bari 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 pa boum pam boum. Allez. Ah, GG Pretty Frenchman encore deux fois, et Seb, un bon pari pour Seb aussi. Une mort intentionnelle et 5 cycles Laria, voilà. Donc il y a une énorme marge de progression évidemment. Le drone de Exo était parfait de ce point de vue là, mais il y avait pas mal de choses en moins. Concentre. J'ai plus aucun commentaire à faire. Donc là, c'est un niveau sur lequel je peux facilement mourir. Ah, c'est pas mal passé. Ça, c'est cool. Pas mal de slow strat quand même. Si vous regardez un bon speedrun, pas forcément un très très bon, mais si vous regardez un speedrun de 25 minutes ou même de 24 minutes, de 23 minutes, je pense qu'il y a plein de niveaux qui sont faits bien plus vite que moi. J'intuite, hein, mais voilà, à mon niveau, vaut mieux que je joue la sécurité, essayer de pas mourir. Moins je meurs, plus je vais vite. Ce qui est vrai pour pas mal de speedruns. Hein. Ah non! Vous avez du lag? Ah oui, dites-moi évidemment si vous laguez. Hein. C'est vrai que j'ai un peu augmenté le bitrate à cause de Mario Kart Double Dash qui était un peu exigeant à ce niveau-là. Je trouvais que mes VOD étaient assez moches. Du coup, j'ai légèrement augmenté et je l'ai laissé. Ah, j'aime bien que mes VOD soient regardables. Et c'est vrai que Double Dash, comme ça bouge dans tous les sens et tout, voilà, mais bon. J'ai pas le partnership, donc j'ai pas le transcoding, donc c'est compliqué. Et comme en ce moment on est un peu moins, donc je sais pas si c'est un problème d'heure ou est-ce que je stream trop tôt, je sais pas, mais avant on était. J'avais facilement une cinquantaine de personnes et plus du tout maintenant. Ce qui me gêne pas, hein, mais c'est vrai que du coup, il y a aucun rêve de partnership à avoir. Ce qui est encore une fois pas forcément plus mal. On est tranquille. Entre nous, on est bien. On se fait pas de mal.
Voilà, merde. Eh, c'est le gamer rétro qu'on va tuer. Ça va, ça va. On essaye de faire un PB sur Super Meat Boy apparemment aujourd'hui. Ce qui va être compliqué parce que j'ai une très bonne fin, donc un bon Factory et un bon The End avec pas beaucoup de morts. Mon PB, mon gold split sur The End a une mort sur le boss, il me semble. Donc voilà, on essaye de battre ça. C'est chaud et surtout, voilà, il faut remonter un peu la barre parce que CDV est tout près de moi. CDV me talonne sur ce jeu. Il est à mon 1 minute d'écart à peu près. Du coup, ça c'est chaud, chaud, chaud. Ah, GG les gens. Vous voyez que je suis chaud maintenant. Ah, c'est parce que je joue plus à Dark Souls. T'as raison, hein, déjà, Dark Souls, ça a amené les foules, à tromper les foules. On se referait de Dark Souls, évidemment. Hein. Pas de problème par rapport à ça. Le mois de juillet et août risque de voir pas mal de speedruns s'enchaîner, hein, plein de marathons sur des jeux différents parce que je vais bientôt être prêt sur les 10 jeux. Et ensuite, le tout, ça va être de savoir les enchaîner, de faire un peu des meilleurs PB, essayer de foutre un peu la pression à Yann sur pas mal de trucs. On verra. Peut-être que j'apprendrai le Brownie Skip pour perfectionner mon Meat Boy. Peut-être que j'apprendrai le Duke Skip pour perfectionner mon Dark Souls. Peut-être que je reprendrai le record du monde sur Steam World League. Qui sait? Qui sait, qui sait? Oh waouh, bien joué. Je le fais moins bien ce niveau. Beaucoup de morts là déjà sur L. J'ai un très mauvais L dans mon PB, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de faire un très mauvais L maintenant. Alors attention à ce niveau là, je suis beaucoup mort parce que j'allais un peu trop vite. Il faut pas hésiter à temporiser un peu. Voilà, comme ça. Non, 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 elle est trop vite à la fin là. C'est chiant. Un niveau un peu compliqué pour moi, ça encore. Mais un niveau est compliqué dans l'ensemble, je crois. Voilà, donc. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'ai réussi à mourir au début de ce niveau-là tout à l'heure aussi. Parce qu'il faut le faire un tout petit peu vite, ça. Il y a le temps, mais il faut pas se planter non plus. Je déteste ce niveau-là, je laisse passer toujours une bouboule en trop. J'ai dû hésiter sur un saut, je sais pas ce que j'ai fait. Ça m'étonnerait pas de m'être gravement viandé au niveau de mes inputs alors que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Oh là, c'était vrai là pour le coup. Il n'y a pas de doute. Je n'apprendrai jamais la fast strat de ce niveau. Trop, ça me fait trop peur. Peut-être que c'est facile, mais ça me fait vraiment peur. Visuellement, je trouve que ça a un impact assez dingue. Je déteste quand il fait ça. Tout à l'heure, ça s'était bien passé. J'avais eu un peu de chance. Là, beaucoup moins bien. On est presque à la fin de l'enfer. Pour que ça devienne vraiment dur, hein. Allez. Ah, c'est l'été, les vacances. C'est vrai, indigeste. Bien vu. Ah, mais c'est pas grave, on va rester entre chômeurs.
Ouais, ça peut être ton service provider ou Twitch et ou Twitch d'ailleurs. Tout 30-25. Oh, encore un gold, la série de gold. Allez, c'est cool. Bravo à Pretty Frenchman, hein. Un point devant Seb. Et qui est lui-même 12 points devant Indigest. Hein, donc il y a une bonne brochette de parieurs fous. Allez, ne pas mourir sur le premier niveau. Deux raptures, c'est symbolique. Symbole de quoi? Je sais pas, mais symbolique néanmoins. Symbole de connerie. Non, non, trop gros le saut. Voilà, petit saut, petit saut. Grand homme. Grand con, oui. Oh, c'était chaud. C'est dans quoi, ça, grand homme? Grand con, oui. Ah oui, ça y est, je me rappelle. C'est dans... Si vous... Je me suis pris en otage. Comme preuve, voici ma main. Si vous ne me donnez pas la recette du shampoing avant minuit, je m'exécute. Il l'a dit, il l'a fait. Grand homme. Grand con, oui. Adieu, Lucie. Bon, bref, c'était Alain Chabat qui m'obsède. Voilà, merci beaucoup de me faire rater mon run, monsieur Alain Chabat. C'est de votre faute. Faute. Le blond. Faute. Ah non. J'arrête de dire de conneries. Du coup, je glisse. Pas un très bon film, hein, mais néanmoins, si vous le regardez trop, si vous le regardez bourré. Il se peut qu'il y ait des conséquences graves sur votre état mental. Voilà. On continue. Les petits sauts inutiles, mais ils me font plaisir néanmoins. Ah! Oh là. Ah, et voilà. C'était sûr. Ah, c'est mieux. Et Pierre. C'est plutôt Pierre. Non, c'est plutôt Guy. Non, c'est plutôt Pierre. Je sais comment je m'appelle. Et du coup, votre chef, c'est le chauve. Ben non, c'est moi. Pardon. Je peux rire pour un rien. Ah non, 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 je peux glisser pour un rien aussi. Connerie. Connerie chez les païens. Bon, pas trop mal. Pas mal.
Bon, pour être honnête, on a vu pire comme, comme truc. Mais attention, voilà, les niveaux compliqués pour moi. Les niveaux de l'angoisse sont devant nous. Le plus dur en speedrun est toujours devant. C'est la règle, c'est la consigne. Par exemple, le plus dur maintenant, c'est ce niveau-là. Bon, c'était pas le plus dur, mais c'est le plus dur, c'est vraiment ce niveau-là. Ça, y a pas de doute. C'est vraiment l'angoisse. Regardez, là, il faut faire le petit saut. Et attention, le plus dur est juste là. Ce petit saut-là, le timing qu'il faut avoir. Non, le plus dur, c'est ça, en fait. Voilà. Bon, le plus dur... Non, voilà. Bon, le plus dur, c'est... Ah, mais non, ce niveau-là, on le fait pas. Ouais, non, mais là, ça veut rien dire. Hein. J'ai fait planter Life Split, évidemment. Très fort à ça, moi. Ah, ça, c'est le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Putain. Allez. Ah, pas mal. Je prends. Allez, zou. Donc là, là, c'est le plus dur, hein, le monde le plus dur. Putain, un point tout le monde. Bravo, indigeste, un point. The Prince Frenchman qui s'envole avec son avantage monstrueux de 2 points. Non, 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 là j'ai bien fait là. Oh non, 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 je prends pas ça. Ah, déjà la mort, ça y est, je perds du temps. Non, c'est pas trop mal. On prend quand même, on prend quand même. Schisme. Schisme, c'est le plus dur. À cause de ce saut-là, très dur. Ensuite, il y a ce saut ici, extrêmement compliqué. Puis il y a la redescente. Oh, la redescente, c'est dur. La redescente, c'est vraiment le plus dur. À cause de ça, voilà, là, c'est pas mal. Ce saut-là, vraiment pas facile. C'est passé. Ensuite, le plus dur, c'est maintenant. Et le plus dur, c'est ça. Non, ça, c'est facile. Ensuite, ce niveau-là, vraiment compliqué. Ah, regardez, hein, ça c'était vraiment pas facile. Sans doute le passage le plus dur de la run. Ah, choper cette clé, la clé la plus dure. Ici, voilà, ça c'est la clé la plus dure. Vraiment, vraiment, le timing est très serré. Après, ça c'était la plateforme la plus dure. Ici, la clé la plus compliquée. Et j'ai réussi à me planter. Je crois que je suis mort là. Et j'ai réussi à faire le tour dans le sens inverse, ça c'était extrêmement dur. Non, en plus je déconne pas, normalement je meurs quand je fais ça, mais là, pas mort. Alors Gently, le niveau le plus dur du jeu, à cause de toutes ces scies qui tournent. Voilà, là, cette scie là, c'est la plus dure à éviter. C'est pour ça que je l'évite pas d'ailleurs, je marche derrière. Bon, il faut quand même l'éviter un jour ou un autre. Ensuite, ce saut, c'était le plus dur. Bon, il faut arrêter avec le même du truc le plus dur là. Donc là, c'est dur, là, en vrai. Là, en vrai, j'y arrive pas, ça. Je suis trop apeuré, donc je le fais doucement. C'est pas grave. Le niveau le plus dur du jeu. Non, c'est pas vrai, Omega. Un niveau facile, en vrai. Un peu comme le premier niveau. Un niveau tuto, plutôt. Mais ils le foutent à la fin, pour bien vous expliquer si vous aviez pas compris. Voilà, donc le niveau qui vous explique, voilà, quand il y a des scies, vous sautez. Quand il y a des trous, vous sautez. Quand il y a des clés, vous sautez. Le niveau qu'apprend à sauter, en fait. Et ensuite, voilà, là, pareil, tuto, hein. Vraiment facile. Quand il y a des scies, vous sautez par-dessus. Quand il y a des scies au-dessus, vous sautez par-en-dessous. Voilà, rien... Rien de... Non, bah non, bah non, on l'aime bien, il était facile, mais on le fait pas deux fois. Rien de bien dur. Et du coup, le boss très difficile, très, très aléatoire, hein, RNG, RNG 2000, donc comme Larry un peu, mais en pire. Voilà, avec ce saut là, qui était vraiment dur, et là ce saut le plus dur du jeu, ici. Ça passe bien, hein, ça joue vraiment bien, il n'y a pas à dire, hein, c'est sans doute record du monde. Bon, ok, c'était pas dur en vrai. Ici, là, ça c'est vraiment dur. Le pire c'est que je déconne pas. Vous connaissez l'histoire du garçon qui criait au loup. Voilà, donc ça c'était facile. Ah, je suis désolé Anne, ça va être trop court.
Je pense pas qu'on va faire Gold Split là. Désolé. Ah, check bet, ouais, pour savoir ses points. Ah, Rabram, t'es bien. Hein. Rabram, là, y a pas à dire. Allez, go. J'ai hésité. Quel dommage, le gold m'échappe du coup. Le rêve s'effondre, le rêve du full gold n'est plus là. Putain, je glisse. Ah non, allez, on se calme, on se détend, c'est pas grave, on va perdre du temps, mais c'est aucune importance. Ça tremble, ça me fait mal à la tête, vous savez pas à quel point. J'aime pas les trucs qui tremblent. Putain, c'était chaud ça. C'était très tôt, c'est le jump. Ah, allez, on se détend, c'est le dernier saut du jeu, c'est pas le plus dur, et voilà. 26, boum, CDV. Voilà, voilà. Taha. Ah, dur. Non, le sub 26. Ah, bon, bien. Bien, bien. On est content. On est content. Bon, allez, il est 10h. Moi, en ce moment, je suis assez fatigué. Donc on va s'arrêter sur ce PB, on aura fait PB sur Teslagrad, PB sur Meat Boy, on est content. Pour faire mieux va être dur, non, 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 il y a largement de quoi améliorer. On va aller voir le nombre de morts déjà. Voilà, le 26 minutes, on va aller voir le nombre de morts. Allez, on fait un pari sur le nombre de morts. Pari sur le nombre de morts, celui qui me donne le bon nombre de morts aura son nom dans mon cœur. Donc voilà, vous me dites combien de fois vous pensez que je suis mort et on verra qui est le plus proche. Ça sera rigolo, une façon rigolote de finir le stream. Et on va aussi se mettre un peu de musique parce que vive la musique. Il faut évidemment que je coupe le son ambiant. Non, faut pas faire bête, hein. Allez, c'est parti. Alors, 33, 39, 35, 42, 53, 37. Et le résultat est 25 morts. Je suis mort que 25 fois. Du coup, bah, c'est celle qui a parié le moins. C'est Dieu qui gagne. Clapa. Allez, des bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé. C'était cool. PB Hype sur Super Meat Boy. C'est sympa. À demain, on continue Teslagrad. Demain, on continue Teslagrad. On fait un autre PB. Évidemment, on va raider CDV. Le message de raid, c'est évidemment 26 minutes. Pardon, hop, c'est split. Donc, le message de raid, c'est 26 minutes. Vous copiez ça dans le chat de CDV, hein, juste pour lui dire. Des bisous tout le monde, merci d'avoir regardé et à la prochaine.
you had some dealers with which left to cry. Now I know what you're thinking, though I think this is meant to. Knowing your blood paints these walls, I'm coming.